Le jeu a commencé. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie de Go sur OGS. Donc cette fois-ci, on affronte un joueur 5Q à 2 pierres d'handicap. On a 0,5 de commis et 20 minutes chacun plus 5 fois 30 secondes. Donc on va dans le Co 1 en haut à gauche. Il prend un coup, très bien. On va approcher pour empêcher un Shimari. Et on va essayer de jouer un petit peu plus lentement quand même parce qu'on a du temps. Il s'étend comme ça. Ok, on n'a pas besoin de répondre tout de suite. On va venir prendre un coin. Il y a de fortes chances qu'il pousse de ce côté en vue de prendre une extension qui fasse à la fois extension de ce mur et pince avec ça. Donc vers L3 serait pas mal. Tac, il vient comme ça, très bien. Et on va venir par ici. Un petit coup, voilà, par là, comme on disait, c'est pas mal du tout. Un petit peu plus proche, ça aurait été sympa, je pense. Parce que... ici, je peux encore prendre mon extension naturelle. Par exemple, je peux faire un coup comme ça, et un coup comme ça, peut-être, dans l'idéal. Alors que s'il était venu jusqu'en L3, si j'allais prendre mon extension idéale, ça le touchait directement. Et c'est pas très bon, ça. Donc ça donne presque envie de venir là tout de suite. Sinon, ça lui donne beaucoup de points dans la zone. Donc, je vais venir par ici. Il va peut-être me kick là. Non. Il dit, je vais prendre ça. Ok. Ce qui est beaucoup en soi. Hein. Et là, on peut soit venir au contact, soit venir là. Si je vais en contact, il vient ici. Si je viens là, il peut me couper, tac, tac, et descendre. C'est un peu compliqué. Blanc, noir. Du coup, je dois reculer comme ça. Il peut continuer, c'est pas très agréable. Sinon, blanc, noir, blanc. J'aime pas trop non plus. On va juste prendre comme ça. Bon, il peut aller en S2, hein, ce qui revient un peu au même, en fait. Ok, il décide ça comme ça. Maintenant, S2, c'est plus trop possible. Mais il veut faire ça, j'imagine. Ce qui est pas une très belle forme. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? S'il fait atterrir de ce côté, ça va. S'il fait atterrir de ce côté, tac, tac. S'il fait atterrir là, je monte et il peut me découper. Donc on va juste continuer là. Mais venir ici et on sépare ses formes en fait. C'est pas incroyable la forme qu'il fait. On voit, il y a un pas d'éléphant. Et nous on joue dans l'œil du coup. Même s'il fait une jolie forme ici, on voit que ça a été abîmé là. Est-ce que je dois continuer à jouer par là? Ou est-ce que je dois venir mettre de la pression par ici? Un coup par ici, ça semble pas mal. Vraiment de menacer de couper un jour et de mettre vraiment la pression sur ce groupe. Je sais pas si je dois aller en 3ème ou 4ème. En fait, 3ème, je peux peut-être plus facilement m'installer et vivre moi-même. Mais 4ème, ça met plus la pression sur ces points de coupe. On va venir là. S'il prend le temps de protéger ses faiblesses, on peut s'étendre et on est tranquille. S'il pince, on saute. De toute manière, nous maintenant, on est tranquille ici. On est tranquille de ce côté, donc pour l'instant on n'a pas grand chose à régler. Il vient de ce côté. Bon, on va forcer un petit peu ici quand même. Et forcer ici. On crée plein de points de coupe. Et en vrai, ça me fait presque regretter avec cette séquence de ne pas avoir coupé tout de suite. Bon là, il vit clairement noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Ouais, là il faut peut-être que je rajoute un coup d'abord. T'entends d'aller là. Blanc, noir, blanc. Mais je vais souffrir rapidement. Ah, je sais pas. Blanc, noir, blanc.
pense qu'on va protéger d'abord nos formes. Et lui, il va protéger également. Ok, comme ça. Bon, il reste des points de coupe. On va s'étendre. On va venir par là, oui. On va venir par ici. Faire notre base de vie, encore une fois. Et il approche, très bien. Donc là, le bord nord est assez intéressant, le bord ouest un peu moins, parce que je suis sur la deuxième ligne, même si ce coup peut être gros un jour, mais bon. On a quoi? On a potentiellement deux coins. On va penser. Hein. Il est dans le coin. On sépare. On monte. Il vient au-dessous. Tac. Et on revient ici. Voilà. Ce qui nous donne un petit santé. Donc là, on voit le bord ouest. Lui, comme moi, c'est pas si intéressant que ça. Donc là, ça donne envie de... Un coup comme ça, peut-être? Ou comme ça, directement? Blanc... pas forcément envie de lui donner trop de force sur l'extérieur. Avec ça, là où il m'enferme. Tac. Ouais. Plutôt envie un coup comme ça, par exemple. Il vient ici. Donc soit je fais ça, il vient là, je m'étends. Là, c'est aplati. On va plutôt choisir ça. Où il défend comme ça. On peut forcer une fois de plus. Et venir par là. Peut-être ça même. Non. Bon, une forme par là, ça me semble pas mal. Et il profite de ce timing pour aller là. Oui, parce que lui, il pense à développer dans ce coin-là. On va... Donc si je fais ça, c'est pour couper. Tac, tac, tac. Il s'en va. Je m'en vais. Mais c'est assez compliqué pour moi. Donc peut-être plutôt aller là. On va aller là, hein, plutôt. Il continue une fois, on pousse une deuxième fois. Et... C'est gros par là, hein, je sais, mais... C'est goté aussi. Parce que je suis pas sûr qu'il ait besoin de rajouter un coup. Nous, c'est plutôt par là qu'on a envie de jouer. En fait, je sais pas si c'est très bon de couper tout de suite. Peut-être que si. Hein. Parce que ça menacera des points de coupe par là, ça menacera un peu l'attaque sur ce groupe. Allez, on va couper. Viens par ici. Venir par là. Menacer tout ça. Peut-être qu'il aura envie d'englober. Non, il se sent pas en confiance. Dans ce cas-là, on s'en va. On s'en va, on s'en va. Ouais, c'est pas forcément incroyable pour nous. Oula. Il vient par ici, très bien. Il essaie de développer tout ça. Ah! Là, Q8, ça aurait été un peu mieux pour lui, je pense. Bon, après, c'est du détail. Ouais, c'est du détail. Il développe pas mal, hein. Il a vraiment beaucoup de points. Pas évident pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs par là? Blanc. Sinon on descend ici, on peut couper. S'il vient là, on vient ici. Il descend. Bon, il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression.
Oula, attention, ici je laisse des faiblesses d'ailleurs. Si noir force, je vais là. Il coupe, Atari. Tac, je capture, il peut aller là. Tac, Atari. C'est un peu risqué ce que je fais. On va peut-être forcer par ici. Ce qui menace d'aller en P7. Ce qui menace toujours d'aller en P7. Est-ce que je peux aller là par contre? Ça c'est un peu dangereux. On va revenir ici. J'ai toujours des faiblesses. J'ai vraiment pas les plus belles formes. Noir, blanc. Ok, il vient de ce côté, il va prendre le gros coup ici. Ah non. Ouais. Cela dit, il fait beaucoup de points. Hein. Il fait beaucoup de points. Moi, j'en ai pas tant que ça. J'étais vraiment trop calme dans la partie. On va venir de ce côté. Ok, il protège. On va venir de ce côté. Vers là. Ici. Pour réduire. Il faut réduire. Peut-être en allant par ici pour développer un peu plus ce bord nord. Ah, j'ai joué trop vite aussi. Hein. Bah, lui, il a utilisé 2 minutes 30. Waouh. Ok. En fait, il m'entraîne dans son rythme. Ça, ça fait quoi? Ok. Est-ce qu'il n'y a pas plus intéressant à jouer? Noir, blanc. Noir. Blanc. Et ici, il y a un petit truc. Il vient par là. On va forcer ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tac, noir, blanc. Noir, blanc, noir. C'est coupé ici. Ouais, ça a l'air d'aller si on fait un truc comme ça pour réduire ce bord gauche. Ça a l'air pas mal. Et oui, j'aurais peut-être dû jouer un peu plus lentement, comme d'hab. Après, on a, ça va, on a des points en vrai. En vrai, ça va. Attention, c'est fermé. Ouais. Forcer ici. Je pense qu'ils défendent. Comme ça, on peut venir là. Et on vient. Par ici. On développe des points par là. On a complètement écrasé ce bord gauche. C'est plutôt cool. Du coup, il réagit comme ça. Très bien. Attention, si je viens par ici, peut-être qu'il peut me couper. Blanc, noir, blanc. Ça non. Blanc, noir, blanc. Non, ça a l'air d'aller en fait. Ça a l'air d'aller. Ok. Ok. Ouais, il joue puis il réfléchit, hein, j'ai l'impression quand même. Faut estimer un peu les points peut-être aussi. Bon, c'est un peu tard, mais... ouais, on va protéger cette forme quand même. Ouais, je compte 60 points, on va dire, très vite fait. La capture compte tiers, 0. Alors, il a un peu plus de 60 peut-être. Et nous?
Ouais, je nous compte au moins 5 points d'avance. C'est pas tant que ça en vrai, hein. Il faut développer un peu plus. Peut-être un coup par là, ça développe pas mal. Et aussi ça qui va devenir gros. Faire une petite avalanche, faire chier. Est-ce que la grande marche bien? Tac. Oh, la grande marche bien. Hop, il défend là. Oui, on va défendre là. Il vient ici, il vient là. Ouais, je suis pas certain de donner une pierre. Je sais pas. En tout cas, c'était santé. C'est plutôt cool. Et ça nous laisse ici. Blanc, noir, blanc. Ça laisse du très bon yossé. Normalement, si on fait pas de bêtises, on va la gagner celle-là. On va agrandir par ici. Hein. Il vient là, on recule. Très bien. Est-ce que ça vaut le coup d'aider cette pierre, sachant qu'il reste la coupe, ça va complètement démolir ici? Alors que si on fait ça. Ça développe pas mal ici et il est goté s'il veut prendre cette pierre. Ok, on va avancer là. On va, si on fait ça, on se détruit mutuellement. Est-ce que j'ai pas du santé d'abord? Ça a l'air gros. Hein. Blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Noir, blanc. Bon, c'est goté, mais c'est. Ça va lui enlever tous ces points-là. Potentiellement, s'il joue là, tac, 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 c'est 5 points quand même. Ça, c'est 1. Ici, s'il prend ça, c'est combien en fait? Là, ça a l'air 4. 4, 5. Ici, s'il prend cette pierre, s'il vient là, je viens ici. S'il vient là, je viens là. Prends la pierre. Ouais, ça a l'air d'être le plus gros. Hein. On a d'abord des petits santé comme ça. Ça aussi, ça a l'air chiant. Si on force une fois de plus, on peut aller là. Protège, on vient là. Oui, on connecte, effectivement. Mais ça n'enlève pas le problème. Si on vient ici et qu'il bloque, on vient en. C'est quoi? C'est L8. Il protège. Atari, tac, et ok. Ok, il décide de protéger comme ça, et maintenant ça a l'air de protéger. Ok. Et lui, s'il force, on vient là. Stack. Ça a l'air d'aller. On va faire ça, hein, c'est gros. C'est gros, c'est gros. Ok. Il force ici. Il a tout à fait le droit. Il force là. Et non, il n'y a pas grand-chose. Tac, tac, tac. Noir, blanc. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et par contre, il vient de ce côté. Ok, c'est pour appuyer sur les faiblesses ici. Par contre, s'il n'y a rien, ça me laisse sauver cette pierre. C'est un peu dommage. Noir, blanc. Ouais, ça a l'air tout. C'est peut-être donnant-donnant ce qui est réduit par rapport à cette pierre-là. Et par là. Il a capturé ces trois pierres. Hop. Tac.
On est sûr de faire un point ici, c'est cool. Il faut que je fasse attention, là, il y a quand même des petites faiblesses, on va peut-être jouer par là. Il vient ici, l'Atari là, puis le pouce ici, on vient là. Tac, tac, tac. Normalement ça a l'air d'aller, mais on va peut-être protéger juste comme ça, tout simplement. Ici on a l'impression qu'il y a quelque chose encore. Blanc, noir, blanc, noir. Blanc, noir, blanc. Mais il vient là. Ah, c'est pas loin d'y avoir quelque chose. On n'est pas loin. On va protéger ici, nous. Va recompter vite fait. Ok. Je nous compte une quinzaine d'avance maintenant. On a eu un brouillossé, effectivement. Ok, ça a l'air gros. Qu'est-ce qu'il y a d'encore santé? Ici on a goûté. C'est goûté tout ça. Bon, en vrai, je crois que ça marche pas d'une liberté, donc ça sert à rien d'attendre et d'espérer son erreur. On va juste faire ça. Ok, donc il a eu peur. Mais je crois que ça marchait pas. Hein. Blanc, noir, blanc, noir. Si je viens là, il peut sortir comme ça en fait. Et ça a pas l'air de très bien marcher pour moi. On a l'impression hein, qu'il y aura un snapback, quelque chose. Il faut juste pas se tromper et ça ira quoi. Mais tant mieux. Ici, il peut faire un point, donc je peux aller là pour en retirer un. Il y a ça. Ouais, ça, c'est gros, allez. Ah oui, là, c'était une erreur. Blanc. Ah, il faut faire attention à ce genre de petites séquences, quand même. Oui, ben oui, en fait, même s'il défendait tout simplement en C19, je reculais, et là, il pouvait couper. Il a coupé trop tôt. En fait, s'il allait en C19, je pouvais plus. Je pouvais pas protéger en E19. C'est une erreur de ma part le D19. Et du coup, là, ce qu'il a fait ne marche plus. Zut. Maintenant, s'il vient en C19, j'ai peut-être droit de protéger en E19. Je viens ici, on protège solidement. Hein. Connexion bambou. Et finalement, maintenant. Il n'en fait plus grand chose. Bon, il peut espérer faire E19. Je capture. Et quand il va en C19, je peux pas retourner ici sinon il capture. On recule. Atari, on protège. Atari, on protège. Atari. Est-ce que si je protège là,
Il peut venir là, je capture. Il peut venir ici, je viens là. Et il vient ici et il me capture tout. Donc il faut aller là pour pas qu'il puisse faire cette liberté ici. Un petit piège, ça, de sa part. Bien vu. Cet Atari-là, par contre, est-ce qu'il est... Oui, ici, si, pourtant, je suis bête, ça va connecter à ça. Il fait cet Atari ici, très bien. Mais là, ça ne marche pas, parce qu'il lui manque G15. Ah non. Ouh. Ça marche? Non, ça marche pas. Oh, c'est dommage. S'il coupe, je fais Atari ici. Mais il pourra plus bouger, en fait. Ah, c'était pas loin. J'avais des mauvaises formes. On avait dit ça, hein, que j'avais des mauvaises formes ici, et j'avais dit oh, ça devait passer. Sauf que si je continue à faire des mauvaises séquences en face, c'est un peu risqué. Et ouais, c'est dommage pour lui. Pas trop récompensé. Ah, mais du coup, je connecte ici. J'ai deux yeux là, de toute manière. Bon ben, ça va. Tac. Tac. Est-ce qu'il lui reste d'autres yeux, c'est... Un point ici, mais d'abord, peut-être ça. Peut-être ça d'abord. Hein. Non? Ok. Donc on va faire celui-là. Je regarde si j'ai rien d'autre. Mais ça semble... Ça ne semble pas. On protège et c'est fini. Il reste 2-3 points Gauthier, quoi. Enfin, intersection Gauthier. Ici, ici. C'est à peu près tout. Voilà. Normalement, il passe et je passe ensuite. Passe. Voilà, il passe et je Enlever les passe. pierres mortes. Et on est devant de... Ok, ça a creusé encore. Ah oui, ça a creusé avec ça, peut-être. Non, bah non. D'accord, j'avais peut-être surestimé ces points. Mais Vous c'était avez bien. gagné. Et on gagne de 28,5. Ok. Merci pour la partie, du coup. Et n'hésitez pas, vous, si vous avez apprécié la vidéo, à aimer celle-ci. Et à vous abonner à la chaîne, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à reproduire vos propres variations en SGF qui sont aussi dans la description, et à poser des questions par rapport à ça. J'essaierai d'y répondre mieux. Et sur ce, je vous dis bonne fin de dimanche à tous et à mardi. Salut!